plutôt à pas assister magasin de Philistère à un concours tweet la mi-temps officiel pour condamner Zaksa tant que ministre condition avec droit femme Ghislaine mon premier qui écrit pour dire les concerné les condamner crime ça action publique d'omité un mouvement contre malfrat pour justice capable de faire avant ça c'était président républicain Jovenel Moïse encore dans un tweet qui écrit les choqués pièce monde pas accepter Zak Baba ça yo la police ak la justice gen yon seul choix se mete bandio en bacorde tandis que sou Bopal premier ministre joute mande force l'audio pour faire tout ça yo konnen pour que Zak sa yo parete impuni et chaque autorité concernée prend conscience jan situation grave pour agir pi vite possible nan sa sa yo ensemble message monsieur Kipa nouveau et qui pas vraiment mettez Mounio en confiance Mounio qui plutôt attend action concrète bon côté autorité yo et yon dans autorité Mounio attend action concrète de la part de yo c'est responsable dans la police yo un chef policier qui vraiment pas qui c'est vraiment je sais pas parler hein et puis et situation Jean Lia là c'est silence total bon peut-être il y a travail qui ça y a fait est-ce que il y a travail vraiment pour capable mater situation et si tu as un travail qui t'a fait nous t'a senti résultat déjà pas de parole police là en ligne avec nous inspecteur Gary Desosiers bonjour bonjour Guerrier bonjour bon, bonjour, auditeurs, auditrices. C'est avec pratiquement en tristesse et dans la voix. Et dans la société en tout, j'en peux pas dire, et face à de l'âme, ça, la situation, ça, qui, pour Dieu que nous connaissons, et côté que nous avons des voix sœurs, avec Spumel, et qui simplement de la vie. Et pour seul, parce que 22 ans seulement, et donc il a fini donc il a fini en devant mais malheureusement il est forcé Evelyn sincère c'est mes yeux on a dit BCPJ et tant de deux mondes déjà et dans quatre dossiers et on a vu de recherche pour que nous lancer et côté que BCPJ a recherché Obed Joseph qui continue à faire des pour séquestration et homicide. Et le temps est pour autopsie faite sur le cadavre là. Et encore une fois, on a présenté condoléances et sympathie toute institution de la police là, à famille Evelyne Sincère, à camarades de classe, à direction lycée, écoutez le thé et fait équipe classique là. Et famille haïtienne qui touchait par gros drame ça qui produit. Tristesse dans la voix, porte-parole, on tristesse que nous rejoignons dans pile l'autre voix, voix officielle, Lio qui réagit sur ça qui passe à société à, mais société à attendre un seul bagage, hein, c'est garantie sécurité pour permettre que moun yo pas vivre dans la peur, hein, car, et ça, c'est yon de plus, Koulia qui ça qu'a fait dans niveau la police là, pour capable, ben, confiance, hein, pour permettre que moun yo capable de recommencer vivre, comme avant, sans peur ni crainte. La police, là, en fonction de moyenne, comme je dis toujours, fait un peu d'effort pour qu'elle soit capable d'arriver et remplir mission et qui sait garantir l'ordre public et la sécurité publique. Et c'est presque son répétition, on a dit tout le temps. Là, nous dit que la police, pour compte pas, elle même pas capable d'évoluer et non, sans ça, et pas situation tout le monde, notamment la population. Et surtout dans le cadre de dossier, ça, et que nous avons parlé là, concernant l'homicide Evelyne Sincère, et tout le monde qui t'a connu au Bête Joseph et Kiki, pour aider la police à arriver et joindre. Mais, et pour à savoir, les questions qui sont plus larges là, et un peu plus tard, il y a une conférence qui a fait au niveau de la direction générale de la police nationale, et côté que porte-parole là, et après, et parler en plus et à fond considération spéciale sur question de sécurité hein, et sur situation particulière qu'il a vive et pour le moment et qu'a traversé société hein,
et qui est pratiquement touché tout le monde et cap vivre en Haïti. Au grand mot, de grands remèdes, nous face avec une situation là, une situation compliquée et difficile, côté tout le monde dans la peur, peur la vie généralisée, et nous avons des exemples devant nous, parce que les théoristes, lui-même, lui a agi dans des pays, par exemple, regardez qui réaction, Charles Pasqua, t'es gagné, les théoristes, t'es sorti, vous t'es terrorisé la France, c'est des actions concrètes. Je vous dis, hein, ça qui a passé là, nous pas capable de résoudre lui avec des notes de presse, des notes de sympathie, des notes de condoléances, une jeune demoiselle, et c'est pas premier cas que nous voyons comme ça, c'est vrai, il y a cherché Robert Joseph, mais il y a l'autre famille qui est victime dans la société, il y a l'autre monde qui n'a même ravisseur, donc population, les grands questionnements qui a posé aujourd'hui, qu'il est la consigne visible et qui montrait que nous-mêmes, nous voulons entrer dans la mission, donc c'est protéger, servir, pour capable ba ou quiétude d'esprit, parce que moun ki nan machine pou al travay matin paniqué, moun ki nan biwak déjà arrivé paniqué, nous même qui vinn là ben nous paniqué, c'est panique générale, tout moun semble dévasté devant situation. Bon, et ce décrit là c'est pratiquement et c'est voix population et pour décrit à travers les considérations qu'on fait hein, et on faut bien que nous comprendre n'a fait tout effort possible en fonction de moyens nous et comme toujours pour que nous capables d'arriver et faire et ça pour nous faire surtout dans le cadre de c'est ça et comme tout à l'heure cité non l'insignifiant nous songer ça qui traverse les sociétés et d'alors écoutez que DCPJ est arrivé arrêter tout le monde qui était impliqué dans enlèvement séquestration et assassinat et l'insémirville là. Et nous simplement bah garanti à société hein, comme nous toujours fait dans quatre dossier ça n'a fait tout ça capable nous fait plus lumière sur lui et pour que nous épingler mettre main en collecte monde qui impliqué dans séquestration et homicide jeune fils ça et bien sincère. Paul, et c'est toi qui a envie de recherche de l'un, bah non, l'autre explication, non, qui est-ce lié, ou dit c'est qu'on dissipe demoiselle là, ou ménagerie? Non, bah j'en dis ça. Et selon l'information que nous gagnons, Evelyne, t'es qu'on, disons, t'es connaissant avec lui, à travers Facebook, et lui, il y a tout, et qu'on rencontre déjà, parce que samedi 24 octobre 2020, hein, et selon les informations que DCPJ disposait et a traité, il était à Obed Joseph, la Kaili Delma. Et Evelyne, Joussa, qui est entré un peu tard, la Kaili, aux années 8h du soir, il était même dit que M. Balboué en bagarre qui fait le sou. Et c'est avec Monsieur ça, tout qu'il dégaine rendez-vous, malheureusement, joue ça et Evelyne a chamanté. Et avant ça, t'es bal, on va pour Boël, t'es senti le sou, mais t'es retourné à la Kaili. Après, il est retourné côté encore. Nous samedi 24 octobre 2020. Ok. Et côté culte, même la Kaili t'es inquiété parce qu'il t'es entré un peu tard. Et c'est avec et Mounsa qu'il t'est. Et selon toute information que nous gagnons, et qui a traité, et c'est Joussa, c'est rendez-vous, et probablement d'Aloué Mounsa encore, à savoir. On va parler de jour 29 octobre, là, c'est ça? Oui, exactement. Jeudi, et je crois que c'est jeudi, et 29 octobre. Ok. Donc ça veut dire que ce n'est pas un kidnapping, côté que vous prenez mon dans la rue. C'est peut-être un rendez-vous. Oui, c'est Evelyne, là, c'était ça, c'était un appel, c'est son fréquentation habituelle, donc Obed Joseph là, c'est sous insistance. C'est pas un kidnapping dans la rue, Evelyne, comme si non, c'est sous insistance, Evelyne t'a la caille,
Robert Joseph là, okay. Sœur témoigné ça les gars. Mm-hmm. Et porte-parole, m'pas rappelé qui dernière fois nous rencontrer la presse. Donc comme nous parlons rencontrer la presse c'est après midi là pendant journée on espérait la présentation qui va le faire nous va le présenter de présumé kidnappeur par exemple qui a arrêté dans cadre opération. Donc nous tout pose aux questions et ça rien longtemps nous pas ouais que la police présentait de présumé kidnappeur dans cadre de présentation opération lieu ça qui passé. Et pas que trop longtemps que nous avons fait au niveau de la DCBJ. Et c'est certain qu'il y a d'autres conférences qui ont été faites. Et côté que. Parce que il y a une bagarre que nous avons toujours fait. Et Renel, c'est sous cette transparence-là à la population. Et que nous présenter les vrais visages. Et monde qui empêchait la population, hein, la longue source qui empêchait la population d'équilibrer l'activité. Comme on dit, et un peu plus tard, à bien plus de détails, parce que le commissaire Lujan pourrait faire conférence ensemble avec toute l'autre porte-parole qui est au niveau de direction départementale pour que nous présentions la situation et chaque département, chaque zone, également et situation et, au niveau sécurité, au niveau police et dans zone. Oui, pas de parole. Et par exemple, sur cette question du kidnapping, non, donc un peu de fois, monsieur qui fait kidnapping, il dit que c'est un tel monde, il a utilisé le téléphone, il fait. C'est quand même un bagage normal. Et est-ce qu'il y a une raison qui fait que pas de opération ciblée qui fait. Et généralement, et j'aime toujours dire, hein, et le cadre de description de situation, hein, on va réaliser que les gens qui ont des zones qui ont à l'avec eux, et les bandits eux-mêmes, et qui, beaucoup de gens ont réfléchi, et ils comprennent tout que il y a des opérations de masse que la police nationale n'a pas arrivé à faire, parce qu'il faut d'abord garantir la sécurité de tout le monde qui est dans la zone. Et c'est ça fait que les guerriers toujours fait appel à la population pour aider nous dans l'information. Nous, ouais, il y a des bandits même mais qui a dit qu'ils ont fait tel bagage. Et la société attendait, nous, au niveau de la police, attendait. Mais comme public, on n'a pas qu'à dire stratégie que nous avons fait en place, mais nous croyons qu'avec la société, ensemble avec la population, c'est pas la police pour compris, c'est important pour nous dire, ensemble avec la population, monde dans la population, ensemble avec la famille, dès que nous développons et synergie ça, tête ensemble ça, nous croyons que l'année on souffre. Et toi, parce que même policiers, ils ont kidnappé, au contraire, il y a un confrère d'Amio, ils ont fait quête entre eux-mêmes pour capable joindre l'argent pour bailler la vie sur eux. Et en pile, on te dit que les gens qui suivent, dit ça est arrivé dans quel que soit pays, ils ont kidnappé un policier, tu as pris des interventions qui fait dans ce sens-là, au contraire, c'est rançon à bail. Bon, et Bob, et c'est très mauvais, et ça que la COP décrit, que la décrit en société, que nous voyons. Et moi, t'as voulu gagner et plus de détails au niveau de cellules qui enlèvement qui est occupé de ça. Et ça fait que je ne suis pas trop aventuré dans des dossiers que je ne pas maîtriser. Effectivement, et cas policier que nous m'entendez lui tout et qui est pratiquement touché l'institution d'eau parce que laisser des policiers c'est vrai que policier a les mêmes liens dans la société hein, il fait partie de la société hein, et en dans la police là lui-même qui c'est pratiquement et c'est des monde que nous avons là dans des membres et c'est nous cette population qui grandit l'institution hein, c'est des situations vraiment qui alarmantes qui dit qui très et qui très dur même pour que nous dit. Et Jean Dolan, un peu plus tard, a bien plus de détails à travers la conférence de presse. Avant nous quitter aller pas de parole les depuis quelque temps nous gain pression population à la guerre pour contre li dans dossier kidnapping là c'est famille qui négocie avec bandi la police pas intervenu du tout. Est-ce que c'est parce que gagne un bandi yo k'ap fè éloge tête yo di yo pap touye moun yo qui fait la police c'est pas baye sa importance alors que phénomène nan ap appauvri famille yo du tout pas non pas capable pas baye importance face à un bagay pareil non parce que et je nous dis hein, la police souvent c'est des moun ki la dani et sa krive et la famille haïtienne nan capable vivre une famille policier et nous pas ka di que n pa baye sa importance au contraire
et c'est ça fait même bon cellule même qui crée au niveau de la DCPJ qui occupe le stationnement et qui font l'effort et qui bail des résultats que société que la presse capable de témoigner et de ensemble de kidnappés et que nous arriver épingler depuis les situations kidnappés dans la reconnaître en Haïti et non pas non plus la population pour contre et je nous dis hein, et n'a évolué dans une situation très spéciale et n'a fait tout ça incapable selon et moi et nous pour que ensemble avec population pour que nous capables et continuer croiser et bandido qui d'impéro et conduire devant la justice. Non disposé qui ça qui a envie de recherche d'elle là est-ce qu'elle fait partie de un groupe bandit ou du moins c'est son qui a fonctionné pour contre lui. Moi pas gagné plus de détails concernant fiche technique li. Et je nous disant et comme conférence de presse là pratiquement et Rachid Achoussa et c'est certain que et commissaire Lejeune est capable de disposer plus d'informations, plus de détails et concernant Obed Joseph alias Kiki. D'accord.